période où il y avait encore de grands, grands manques, où tout était rationné, mais que la moindre des choses prenait une valeur, une saveur extraordinaire. On manquait encore de beaucoup de choses. La preuve, c'est qu'en tant que déporté, Aimé a eu une priorité pour pouvoir acheter deux casseroles, parce que les matériaux étaient encore très, très rares. On avait des meubles avec les caisses d'oranges qui venaient emballer individuellement dans du papier de soie. C'était une période extraordinaire parce qu'on appréciait la moindre des choses. Et puis, apprécier la liberté, les lois sociales, une expansion extraordinaire des lois sociales. On avait des petits vieux qui n'avaient jamais cotisé, qui n'avaient jamais rien, qui touchaient des petites retraites. C'était extraordinaire. Vraiment, c'était un renouveau formidable. C'était la vie, vraiment la vie. On se contentait de très peu de choses et on appréciait la moindre des choses. Moi, j'appréciais le moindre morceau de savon, d'avoir été privé si longtemps de savon. C'était quelque chose de fabuleux, de fabuleux. Et puis, d'avoir un enfant. Pendant ses premières années de bonheur retrouvé, Aimé enchaîne les métiers. Il est d'abord chauffeur pour les inspecteurs du Conseil d'État qui se rendent partout en France pour préparer la reconstruction. Il est ensuite chauffeur pour l'ambassade de l'Union soviétique à Paris lors des grandes conférences internationales qui ont lieu après-guerre. Il devient alors garde du corps d'André Marty, puis de Benoît Frachon et de Jacques Duclos, le secrétaire général du Parti communiste français. Mais toutes ses missions l'ont épuisé. Il est soigné pour une tuberculose et son état général décline. Leur médecin leur prescrit alors de se mettre au vert. Bon, alors on s'est mis à la recherche d'une petite maison et où veux-tu qu'on puisse trouver une maison? Alors quand on est à Paris, dans la banlieue parisienne, et qu'on cherche une petite maison... C'est la Nièvre ou Lyon. C'est vrai, c'était les deux départements. Les plus abordables. Voilà. Et à ce moment-là, nous avions dans l'Humanité un petit marchand... c'était même pas un marchand de biens. Un monsieur qui habitait Villiers-le-Sec, qui faisait un petit peu de commerce de vin, de choses comme ça. Et il mettait sur l'Humanité des annonces pour la Nièvre, des petites maisons. Et à ce moment-là, il y avait un tas de petites fermettes dont les vieux étaient décédés et qui étaient à vendre, mais il y en avait à foison. Tu sais, c'est joli, c'était vallonné, c'était bien. Et puis, mon enfance était bercée par Romain Rolland. Romain Rolland. Romain Rolland, c'était le grand homme. Hein. Enfin, c'était vraiment bucolique, hein, la vie. Mais un pays de cocagne, quoi, avec les forêts, les champignons. Tout à fait, tout à fait un pays de cocagne. Vraiment. Il y avait du poisson dans le Meuron encore. Il y avait les lapins dans les friches. Et ton mari aimait, il chassait, il pêchait. Ah, mais c'était l'homme de la nature, vraiment. C'était pas un citadin du tout. On a fait venir des copains. Les copains qu'on avait dans la région parisienne, on leur a dit, écoutez, il y a un tas de petites maisons, c'est pas cher, ne fût-ce que pour votre retraite ou même pour venir en vacances. Alors on avait, ça s'appelait la banlieue rouge d'ailleurs. Courcelles s'appelait la banlieue rouge. Carrément.
On a fait venir un tas de copains de la région parisienne. Mais, et puis Aimé était candidat pour les cantonales, pour le Parti communiste, tu vois. On a continué nos... Mais très, très bien intégré dans la population et puissance. Alors, comme Aimé était à peu près le seul bricoleur de Courcelles... Il savait tout réparer. Et quand une vache vêlait, on appelait Aimé. Quand il y avait un poste de radio à réparer, on appelait Aimé. Eh bien, moi, je suis très, très calme sur ce sujet. Bien sûr, il y a eu des choses tout à fait condamnables, tout à fait condamnables, mais en comparaison du crime du capitalisme, en comparaison des crimes du colonialisme, en comparaison des génocides généralisés maintenant, on peut difficilement faire le poids des misères, des difficultés. Mais regardons la différence. Le communisme a quand même fait rêver des continents entiers. L'idée communiste a fait quand même rêver. Est-ce que l'idée capitaliste fait rêver? Est-ce que vous rêvez du régime que l'on vit actuellement? Est-ce que les jeunes, est-ce que l'on leur laisse la place aux rêves? Moi, j'ai toute ma vie, j'ai rêvé, je continue à rêver. Je continue à être optimiste dans l'humanité. Mais ce n'est pas le régime capitaliste qui m'y incite. C'est ma fondation même de communiste. Bien sûr que je regrette tout ce qui a été fait. Et il y a une chose aussi. S'il n'y avait pas eu l'Union soviétique, vous croyez que je serais occupée à discuter avec vous maintenant ? Supposez un instant que les nazis auraient gagné la guerre. Vous croyez qu'on serait occupé en toute amitié, en toute chaleur humaine à discuter entre nous, même si vous n'avez pas les mêmes idées, même si vous pensez exactement le contraire. Pensez un instant à cela. Parce qu'il faut quand même vous rendre compte que les États-Unis sont intervenus en 1944, et qu'on était occupé depuis 40. Ça fait 4 ans. Moi, je sais qu'à mon époque, s'il n'y avait pas eu l'Union soviétique, je ne serais pas là. Sans aucune discussion, avec tous les défauts. C'est difficile. Mais tu sais, le début de la résistance, tu crois pas qu'il y avait 40 millions de résistants en France? C'était très, très, très peu nombreux, puis dans les autres pays. En Belgique, c'était la même chose. On était très, très, très peu nombreux. Les gens n'avaient pas compris. Les gens se pliaient docilement. Tu vois, n'avaient aucun esprit de résistant. Et petit à petit, ça se fait quand même. La vie leur prouve le contraire. Je crois que les mouvements de masse, j'ai l'impression que c'est très très difficile. Les choses ont changé parce que les actions collectives ont changé. Les gens sont devenus très individualistes. Il faut se cogner à cela. C'est épouvantable parce que moi j'ai connu une autre époque. Mais on peut, si on réfléchit, si on n'est pas complètement abruti par la télévision et la presse, si on réfléchit vraiment, on peut même personnellement avoir une attitude qui prouve cette indignation. Moi, j'en suis persuadée. Vous avez eu des classes sociales, des ouvriers qui ont peiné toute leur vie durement. Ils avaient un seul espoir, c'est que leurs enfants fassent des études et aient une vie meilleure qu'eux. Ces enfants, que sont-ils devenus? Une classe moyenne, oubliant absolument la condition de leurs parents. Le confort,
les vacances, c'est justifié tout ça. Le confort, le progrès, les vacances, une meilleure voiture. On ne se promène pas dans une vieille bagnole quand le voisin en a une neuve. On en veut une neuve aussi. On s'endette. Quand on s'endette, on a peur de perdre son travail. Donc on se tait. Il n'y a plus ni de révolte. On essaye de s'enfermer soi-même dans son petit cocon pour s'en sortir le mieux possible. Il n'y a plus de grands mouvements collectifs. Ce que je regrette, le manque de poètes, le manque de rêves, le manque d'humanité, en un mot, le manque d'humanité, ça me manque. La chaleur humaine, qu'est-ce qui peut remplacer la chaleur humaine? Est-ce qu'une tablette, est-ce qu'un internet, est-ce que ces choses-là peuvent remplacer un simple contact, une main? La main, un baiser, un mot d'amitié, est-ce que ça peut être remplacé par tout ça? Alors, moi, je ne désespère pas. Surtout, le contact avec les jeunes, moi, je les regarde. C'est vrai qu'ils sont beaux. C'est une belle génération. Ils sont vrai, mais ils sont, à mon goût, un peu trop gâtés. Pas assez endurcis. Pas assez combatifs, pas assez endurcis. Je le regrette. Ils sont trop gâtés. C'est dommage. Parce qu'ils n'apprécient plus, ils n'ont plus l'appréciation, c'est idiot ce que je veux dire peut-être, mais d'un morceau de pain. Quand on a eu vraiment faim. Ou alors un morceau de savon. Quand on est resté des mois et des mois sans se laver, qu'on sent mauvais, qu'on a des poux, qu'on a la gale. Un morceau de savon, ce que ça peut représenter, bien, ils ont perdu ils ont perdu de la valeur de ces petites choses. C'est ça que je regrette pour eux. Et alors, on sait bien que c'est l'argent la base de tout. L'argent, je me souviens, en 1945, l'État était conduit par des grands commis de l'État. Il n'était pas question d'argent. Ces gens-là étaient commis, ils étaient des républicains, des commis de l'État, mais pas de banquiers. Ils ne venaient pas de la Banque Rothschild, ces gens-là. C'est ça la différence. Et le mot démocratie, je trouve que c'est magnifique. Magnifique. Encore faut-il qu'elle soit vraie. Faut-il que l'argent ne s'en accapare pas. Et l'argent, c'est beaucoup, hein. Quand l'argent s'accapare, quand les banques s'accaparent du mot démocratie, je doute que ce soit vraiment démocratique. Vraiment. Moi, je pense qu'il y a surtout un manque d'éducation. On a voulu abrutir des générations entières en le détournant de l'attention, en le détournant de l'esprit de résistance, en les détournant de la clairvoyance de citoyens. Tu comprends? En le dégoûtant, en disant les partis ça sert à rien, les syndicats ça sert à rien, ça sert à rien d'aller voter. On désespère les gens en les désarmant complètement. Hein. Si tu n'as pas en toi cet éveil de, comme dit Essel, d'indignation, mais ça ne va pas pouvoir toujours durer comme ça. Seulement, tu comprends ce qu'il y a, c'est que quand tu as quelque chose comme ça, que tu as une idée, il ne faut pas compter sur les autres pour la réaliser. Il faut que tu sois toi-même conscient que toi-même, tu peux y participer. Il ne faut pas déléguer aux autres ce que tu peux faire toi-même. Un homme seul ne peut rien. Mais 100 peuvent quelque chose, 1000 peuvent quelque chose, 10 000 peuvent quelque chose. Seulement, il faut que chacun soit conscient que lui-même est un individu et qu'il ne peut pas déléguer à son voisin. Ah ben, t'as qu'à te battre, si mon salaire augmente, si ton salaire augmente, je vais en profiter aussi. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Parce que tu vois, à un moment donné, les communistes, c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes battus pour les autres. Quand il y avait une revendication importante pour une amélioration de la vie, on s'est battu.
Mais les autres ne nous ont pas suivis, ils en ont profité. Regarde dans une grande boîte, quand il y a une grève et qu'il y a une amélioration des conditions. Mais ceux qui n'ont pas été grévistes en profitent aussi. Mais si tu leur dis, bon, t'as pas fait grève, t'as qu'à pas en profiter, ça marche pas non plus. Tu vois, c'est ça qui est... Quand tu as été un militant toute ta vie, que tu t'es battu toujours pour les autres, ça a été une faute. Parce que l'autre, il attendait que toi, tu te fasses dérouiller pour profiter des avantages. D'où le manque de syndicats, le manque d'organisation, le manque de compréhension, le manque de... Qu'ils essayent de s'éduquer par eux-mêmes, qu'ils cherchent par eux-mêmes, qu'ils se disent « que vais-je faire de ma vie ?» C'est l'essentiel. Qu'ils fassent quelque chose de leur vie. Qu'ils fassent des bêtises, qu'ils fassent n'importe quoi, mais qu'ils fassent quelque chose. Pas comme un légume devant la télévision ou devant leur virtuel. Qu'ils fassent quelque chose, n'importe quoi. C'est ça l'important. L'être humain a besoin d'amour, a besoin d'amitié. Ou alors celui qui vit sans amour, sans amitié, bon ben, quelle vie a-t-il, qu'a-t-il fait de sa vie ? Toujours rêver d'un monde meilleur, toujours. Le monde ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Parce qu'on détruit la nature, on détruit l'eau, on s'empoisonne littéralement. Hein, et les jeunes et les gens compensent leur mal-vivre par la boisson, par tout ce que tu veux. Moi, je ne jette pas la pierre, hein, au contraire. Au contraire, je constate que les gens sont malheureux et ont besoin de compensation. Alors qu'il serait tellement facile d'être chaleureux entre soi, de rêver un peu, d'avoir un horizon de la vie. Regarde la campagne, la verdure, la nature, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'on est occupé à tout tuer. Pourquoi ? Pour l'argent. Il faut que ce soit rentable. On fait des légumes empoisonnés, mais il faut que ça rapporte. On tue les abeilles, il faut que ça rapporte. Alors que le miel serait aussi un bon rapport que le reste ? Non. Et c'est voulu, moi j'ai l'impression que c'est voulu vraiment pour abêtir les gens, pour qu'il n'y ait pas de réaction. Parce que les réactions, c'est toujours, tu vois, c'est vrai qu'on réagit de moins en moins, il faut le dire comme c'est. Tu vois, et le jour où on sera vraiment amorphe, où on sera comme des zombies, alors là, chacun aura une pendule qui commandera ses gestes, ce qui se fait déjà dans des grandes surfaces. Les ouvriers travaillent avec une pendule pour calculer leurs mouvements, calculer combien de temps ils prennent pour faire les commandes et comment ça va marcher. Dans les grandes surfaces, on cherche des caisses que les gens fassent leur compte eux-mêmes pour qu'il n'y ait plus de caissière. Allons, continuons comme ça, ben, les gens vont devenir des zombies. En me rapprochant de la CIMAD ces dernières années, j'ai rencontré Manu Nimi, un mineur isolé, originaire de Kinshasa, au Congo. L'envie m'est venue de les faire se rencontrer. Les camps de concentration, c'était la répression contre les résistants, contre tous ceux qui étaient contre les nazis. Et les camps d'extermination, c'était pour exterminer des populations comme les juifs, les tziganes, les homosexuels, tu vois, tout ce qui était anti-nazi étaient dans des camps d'extermination. Ils ne devaient pas sortir du camp. Tu vois, alors que les camps de concentration, c'était un régime très très dur, mais tout à fait différent. Alors tu vois, là, tu as le nom du camp, et oui. Alors tu as le camp de particulier d'Auschwitz, c'est qu'il était en même temps camp de concentration pour la population polonaise et camp d'extermination pour les populations juives et tziganes. Tu vois, il y a 4 millions d'exterminés
C'est à Auschwitz, que Genia a passé plus de 2 ans. Beaucoup de gens la connaissent déjà, directement ou simplement de vue ou de nom, puisque même au lycée Raoul Follereau de Nevers, une salle porte déjà son nom. Son visage apparaît régulièrement pour témoigner de la déportation et de l'horreur des camps nazis. Mais avant son arrestation, avant sa déportation, avant Auschwitz, avant Birkenau, avant Ravensbrück, Genia Hubeuf a été une migrante, une clandestine, une sans-papiers. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'elle est venue témoigner cet après-midi, ici. J'ai donc l'honneur, l'avantage et surtout le plaisir de vous présenter Madame Genia Goldgicht Hubeuf. Mesdames, Messieurs, il m'a semblé indispensable aujourd'hui d'être parmi vous. Je sais ce que c'est que d'être sans papier, je sais ce que c'est que d'être pourchassé, je sais ce que c'est que l'arrestation, je sais ce qu'était Auschwitz et Ravensbrück. Mais je sais aussi l'importance qu'avait dans les jours les plus tristes, les plus abominables, avec tant de lâcheté et de cruauté, j'ai su ce que c'était qu'un sourire. J'ai su ce que c'était une main tendue. J'ai su ce que c'était un mot, un regard, une lueur dans les gens qui vous regardent. J'ai su ce que c'était. Et maintenant, quand j'ouvre mes volets le matin, que je vois les jeunes qui s'en vont à l'école, je vois les gens qui parlent, des gens que je ne connais pas absolument, et qui me disent avec un sourire épanoui, « Bonjour madame, comment ça va ?» J'en suis remuée. Ma journée prend sa valeur. Et qu'y a-t-il de plus beau que de sentir un peu de chaleur humaine dans ce monde triste, désabusé, très difficile, où la haine est tellement pugnace, c'est épouvantable. Alors je pense qu'avec l'esprit résistant, on peut résister rien que par un mot, un regard, un bonjour. C'est très très important et votre présence aujourd'hui témoigne de ce simple intérêt humain. Merci à vous, vous me faites chaud au cœur et je pense que nous n'avons pas souffert pour rien. C'est mon opinion, mais je n'ai pas changé. Hein. Moi, je rêve toujours. Je rêve de la nature, je rêve de l'amitié, je rêve de la chaleur humaine, je rêve de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'être amoureux? Ça n'empêche pas de faire des conneries, hein. Ça n'empêche pas de faire des bêtises. Mais c'est vrai que c'est beau.
sentiment de...